InfoSport. Merci d'avoir répondu massivement à cette invitation de la Fédération Camerounaise de football. Permettez-moi, au nom du staff technique et de la FECAFOOT, de vous présenter nos excuses pour le retard à la démarche. On avait des contingences d'ordre administratif et professionnel pour que cette activité se passe dans de meilleures conditions. Je suis avec l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, Marc Brice. Vous savez déjà la raison qui le met face à vous aujourd'hui. Les Lions Indomptables vont affronter les 11 et 14 octobre prochains les Harambee Stars du Kenya pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Nous sommes dans le groupe J. Le stage débute lundi prochain à Yaoundé. Et à ce sujet, l'entraîneur sélectionneur va prendre la parole juste après moi pour son speech et derrière il va vous dévoiler la liste des joueurs qu'il a retenus pour ces deux matchs et vers la fin, l'exercice que vous attendez tous, l'échange avec le coach sur ces deux matchs, sur ses choix. Ce sera dans un format de 20 minutes. Bonjour tout le monde. Bonjour coach. Avant de dire les noms et la sélection définitive, c'est peut-être pas faux de dire à quelle manière on a toujours préparé la liste. Cette sélection, c'est une sélection avec 5-6 joueurs qui sont complètement nouveaux. Ce sont préparés et jeunes, talentueux, très talentueux, et jouent dans des championnats assez hauts au niveau. Et, on est en train de toujours évoluer avec la sélection. Ceux qui viennent à un certain âge, peut-être c'est mieux qu'ils prennent un ou deux fois des repos et on ajoute tranquillement des jeunes. Ça c'est un peu l'idée derrière ces besoins de lunettes. On commence avec les trois gardiens, André Onana, Simon Onosola. L'autre Simon, le troisième gardien, Télé Talentueux. Inga 2, Christophe Lowe, Jackson Chachua, Fai Collins, Kiki Lama, Nuru Tolo, Koundé Malon, Angla Martin, Baleba Carlos, Zambo Anguissa, Cham Olivier, Boris et moi, Mbemo Prime, qui était déjà deux fois ensuite joueur en Angleterre de la Champions League aussi. Bassogo Christian, Aboubakar Vincent, Magri Franck, Moumi Ngamale, il vient d'une blessure, il a déjà dit. 10 jours. Boyomo Enzo, à nouveau aussi. Antemenge Enzi, un Israéli. Soko Patrick, le deuxième Israéli, c'est Njogwe James. Alors, c'est 24 joueurs. Pour le moment, ils ont un intact. On est curieux combien de joueurs vont venir jeudi, dimanche. Alors, coach, le stage commence lundi. Est-ce qu'on peut savoir le déroulement, ça va être comment et quels sont les différents stades sur lesquels n'est-ce pas, ça va se dérouler et la presse, est-ce que la presse va avoir accès n'est-ce pas, à ce stade? Bonne question. J'ai compris quand même. Ça ne commence pas lundi, le stage. Le stage des joueurs va être ici dimanche avant minuit. Parce qu'on ne sait pas quoi. Sauf qu'il va jouer encore ce dimanche, les autres il va venir dimanche avant minuit. Concernant les terrains qu'on va jouer, je pense que c'est clair, le premier match. Le deuxième match c'est à Ouganda, c'est à Kampala. Non, heureusement pour nous, le presse n'est pas autorisé de venir. Pourquoi? Parce qu'on va entraîner, bien sûr, il y a seulement 4-5 jours, on doit entraîner complètement, tactiquement, et si je pense que c'est permis d'isoler nous un peu pour entraîner dans sécurité
les choses qu'on veut, ce qu'il faut avoir. Et je comprends. Peut-être on peut arranger quelques moments avant ou après. On pourrait arranger ça. On doit travailler ensemble. On veut travailler ensemble. Alors, concernant la première question, tout le monde connaît la situation au début. Tu as expliqué ça aussi. Et c'était comme ça. Même plus pire que la plupart des gens à penser. C'était très dur pour nous. C'était pas agréable. Ça créait beaucoup de tensions, même entre nous. Et à certains moments, tu vas évoluer, tu vas parler aussi un peu plus avec ceux que tu penses que ce sont l'ennemi et pas votre collègue. Et le petit à petit, ça te sentir pas si fort que je pensais. Mais parfois, il y a aussi des bêtises. Et de plus en plus, ça baisse et l'autre, ça remonte. Alors, je suis très content. Je suis très content parce que ensemble, on ajoute quelque chose d'extra. Et on doit utiliser les qualités de FECAFOOT et les qualités de ministère pour séparer un peu les deux choses. Et maintenant, ça doit de plus en plus finir unité, plus souder et plus aider et utiliser chacun ses qualités. On a des qualités, FECAFOOT a beaucoup de qualités aussi. InfoSport. InfoSport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication.